Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime, on se retrouve ensuite dans Mass Effect 3. Et précédemment, on avait découvert que Miranda était là, sa soeur aussi a priori, son père, hein, qui bosse pour Cerberus, et on avait découvert que Kai Lang était en train de l'attaquer, donc on s'est arrêté à ce moment-là parce que je suis un gros bâtard. Voilà, donc là, c'est parti mon kiki. On va aller monter cette échelle pour aller péter la gueule à tout le monde. Parce que j'ai sui comme ça, j'ai sui Jésus. Ouais, des moissonneurs. Et donc Cerberus avait évacué un peu la base. De l'autre côté de la pièce. Et c'est l'occasion de tester cette arme. Il faut juste que j'ai vu de viser. Putain, mais. Eh, hey, mais l'autre con, elle me pique la place, hein! Je suis ton commandant! Si tu me cherches, je te bute. Je crois qu'il devrait voir ma tête, hein. Ouais. Grenade. Voilà. Parce que moi, j'y suis comme ça, j'aime pas les... Ah putain, encore un module de barrière. Je les déteste. Bonjour. Bon, il est où l'autre? Parce que si les mecs ils ont des barrières, c'est qu'il y a encore un putain de connard de module de barrière. Oh putain. Je le vois. Et voilà. Ah putain, regarde, elle est par terre, je viens de juste me rendre compte. Bon, après, l'habitude avec elle, hein. C'est idéal ou c'est étonnant si c'est elle qui tombe en premier, comme dans la précédente vidéo. Bon. Non, je gâche pas des trousses pour relever à chaque fois idée, hein. Faut pas déconner non plus. Marlon Brando. Marlon Clodo, là. Ça, je crois qu'il a aimé. Je crois que je vais prendre mon snipe. Voilà. Comme ça qu'on cause chez moi. J'ai plus beaucoup de membres de ma famille qui sont encore vivants. Wesh. Allez, essaye de me niquer, connard. Pédé. Espèce de lesbienne. Ouh. Bon, c'est bon, l'autre con, il m'a même pas capté. Alors là, tu fais quoi? Alors bah là, tu peux plus rien. Voilà. Bam. Bon, alors toi là, tu te relèves un peu là parce que j'en ai marre que tu pionces, hein. Bon, mais c'est quoi ce non-sérieux là? On ne pionce pas. Ah, c'est vrai, il faut chercher des infos. T'as des infos? Y'en a? Bah, j'aurais tenté, hein. Y'a personne qui a des infos là. Bah, qu'est-ce que c'est que ce progrès là? Ah, y'a plus de sérieux, moi je vous le dis là. Force Volt. Yo. Y'a Room. Bon, bah, des données de recherche. Les données de recherche qu'on s'en branle. Nous avons sous-estimé la force du signal des moissonneurs. Ils sont ici. Les moissonneurs ont réussi à apprendre notre découverte. Ils ont une faiblesse. Je compresse nos résultats dans les archives avant qu'il soit trop tard. Cerberus a envoyé des troupes pour défendre le complexe.
Ça a vachement marché. Démarrage de la séquence. Libération des zombies. Je peux pas bouger. Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! On peut sortir par là. Réfugiés? Qui c'est qui a parlé? Par là, ok. Non, mais il y a quelqu'un qui a parlé, là, hein. Non, on s'en branle? Ok. Ouais, c'est bon, j'ai compris. On s'en branle. Bon. Ça nous rapprochera de la tour. Non, le vide, c'est pas vraiment classe. Faut faire quoi? Ouais. Ah, faut tirer dessus, ok. Ah ouais! Ah putain, la lenteur que ça pour démarrer. Bonjour, il est là. Peut-être bon réflexe. Alors. Oui! Sans déconner. Mon ami, sans déconner, hein. Mais qu'est-ce qu'on a là? Shepard, droit devant! Gardez vos distances! Oh! Petit salopio! Ouais, bon. Ouais. Oh putain. Bon. C'est génial quand ça fait que dalle, hein. Bam! Alors, tu fais quoi, Mouloud? Bah, t'es mort, Mouloud, hein. Oh non. Oh non. Ils viennent tous de cette pièce juste devant. Sérieux, putain de merde. Bon, on a une brute, une furie, sinon ça va. Et y'a pas le bon père, hein, tant que vous y êtes. Voilà. Bon, un boss en moins. Enfin, mini-boss. Oh putain. Bon niveau. On augmente de niveau. Ouais. Complète structure moléculaire des ennemis. Vitesse de chargement accrue. Voilà, madame. Voilà que balak. Matrice défensive. Voilà, utilisation des pouvoirs. Vitesse de rechargement inclus. Bah, moi je vais me faire un camouflage actif. Augmente votre bonus aux dégâts. Augmente la durée de vos pouvoirs. On va peut-être l'utiliser un peu. Ok. Je viens de cramer le truc en feu. Merci. Camouflage. C'est vrai que c'est Y. Mais quoi? Mais ils me l'ont même pas utilisé! Bon dieu, le foutage de gueule, hein! Moi je vais mettre une munition perforante. Oh non, sérieux, pas une barrière. Qu'est-ce qu'il y a? Les poules télé... les poules. Les boules téléguidées. Un régal. Bonjour.
Oh putain, je vais... Ta gueule! Ferme ta putain de bouche! Ferme ta bouche! Bon. Tu veux jouer à ça, pédasse, hein? Prochaine balle, t'es mort. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? C'est parti! Pas besoin de gueuler non plus, hein. C'est parti, hein. C'est pas comme s'il y avait encore des ennemis, hein. Moi, je te jure, je prends mon temps. Alors, présence de matériel étranger, intégrité compromise, sujet désactivé. Le sujet, il est désactivé. Oh là là! Recherche. Wesh. Accès à la tour accordé. Allons à la tour Wayne. À moins que ce soit l'excor. Ok, je suis tout seul. Ah! Faudrait que vous m'appreniez vos techniques de téléportation. Vous avez entendu? On se tient prêt. Je sais pas. J'ai enlevé mon casque. Je sais pas. Vous arrivez pile à temps. Baissez votre arme. Vous êtes sympa, le papa. Non. Oriana vient de me rater. L'influence néfaste de sa sœur, sans doute. Dommage qu'elle vous ait raté. Où est Kai Leng? Je ne sais pas. Parti. Il a pris une recherche et nous a abandonnés à notre sort. Miranda, vous m'entendez? Vous êtes assez prêts, tous les deux. Kai Leng n'a pas fini le travail, mais moi je le ferai. C'est terminé. Au contraire, maintenant que les moissonneurs ne sont plus un problème, il y a une issue. Laissez-la partir. Shepard, ne le laissez pas l'emmener. Shepard, s'il vous plaît. Je me fiche de vous. Je veux juste Oriana et vos découvertes. C'est beaucoup demandé. Vous aurez la vie sauve. C'est pas un bon marché? Très bien. Prenez-la. Mais je sors d'ici vivant, ok? Je ne suis pas d'accord. Oh, Miranda. Miranda. Miranda, je suis désolée. Chut. Écoute-moi. Écoute. Je voulais que tu aies une vie normale. Un mari. Des enfants. Tout ce que je n'ai pas eu. Il m'a tout dit à ton sujet. Merci de m'avoir sauvée. Tu mérites une vraie vie, Oriana. Fais-le. Craque le coup. Shepard. Je suis là. Avant que Kai Leng ne file, je lui ai collé un détecteur. Un détecteur? Vous pensez à tout? Pas à tout. Personne n'est parfait. Mais au moins, Ori est sauvée. Je n'ai jamais rencontré votre pareil, Miranda. Non. En effet. Je protégerai votre sœur. Bien. J'aurais aimé pouvoir. Miranda? Miranda? On va mettre tout le monde au courant pour cet endroit. Brouillage des communications désactivé. Écoutez-moi, ce n'est pas un camp de réfugiés. C'est une base de Cerberus dirigée par mon père. Venez, Oriana. On va vous sortir d'ici. Moi, je dis, on a beaucoup perdu de... On a perdu beaucoup de membres d'équipage dernièrement, hein.
Ouais, y a un avertissement à travers la galaxie. Je suis sûr qu'il y avait un moyen de la sauver ou une connerie du genre, mais j'ai pas réussi. J'étais pas partisan de votre détour par le sanctuaire, commandant. Il y avait trop d'inconnus. Mais j'avais tort. Votre raid contre ce labo de Cerberus a été riche en révélations. Mais on ne s'attendait pas à ça. Tous ces réfugiés, toute cette boucherie, juste pour étudier l'endoctrinement. Il fallait fermer le sanctuaire, amiral. Ce qu'ils ont appris sur les moissonneurs vaut moins que ces vies. Ce sont des données utiles, commandant. Mais c'est vrai, c'était cher payé. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où se trouve l'homme trouble? Ouais. On avait pris soin de placer un détecteur sur Kai Leng. Bien, ça nous donne une chance d'éliminer Cerberus de la partie. On est d'accord. On a beaucoup sacrifié pour cette information. J'ai l'intention de régler les comptes. On s'occupe de Cerberus et ensuite des moissonneurs. Compris. Enquête terminée. Il a pensé à refermer sa braguette cette fois-ci. Bien joué. Bon. Priorité couger de Cerberus. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire? Enfin, c'est ça là pour la prochaine vidéo, mais qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Le quartier général de l'Untrouble a été localisé. Ouais, ça va être marrant. L'ALS est prête à attaquer pour récupérer l'IV protéine que détient secret du catalyseur. Une fois l'opération accomplie, l'Alliance pourra se consacrer totalement au combat final contre les maçonnaires. Je sens que ça va donner. Ressources de guerre retenues, trahison de la reine. Corps du génie de l'Alliance. Mise à jour. Ok. Alors, mise à jour. Les derniers rapports du corps du génie de l'Alliance ne contenaient guère plus que des hurlements d'officiers rapportant que les Rachnés envahissaient leurs installations et que et découper les scientifiques sans défense après un combat bref et brutal, le cœur du GF fut exterminé par ses alliés extraterrestres. Ok. Ok. On a toujours Arachné en allié quand même. Sixième flotte de l'Alliance est en déplacement vers le Conseil quand la Terre fut envahie. Les membres d'équipage à bord assistaient impuissants à cet événement dramatique. Le dernier ordre de l'amiral Akkad fut d'éviter le combat et de rester à l'écart. Après une longue attente, la sixième flotte est bien décidée à finalement affronter l'ennemi. Eh ben putain. Eh ben putain. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Lior, on a Garus, on a Kaiden, on a Vector, hein. Il y a tout le monde qui a leur place, on va tous leur dire bonjour, là. Et on va améliorer nos armes. Parce que nous, on est comme ça. Quel genre de soldat peut avoir un corps où les gens se changent en zombies et se dire « Tiens, j'en filerai bien tout le monde !» Le genre qui laisse Cerberus lui pourrir la technologie de moissonneur dans le crâne. C'est terminé. Bonjour. L'Alliance a lancé un avertissement à propos du sanctuaire. Les enfoirés de Cerberus. Horizon, c'était chez moi. Je veux qu'ils crèvent, Shepard. Je veux que vous les exterminiez. On le fera. Mais ne laissez pas leurs actes vous transformer. Je suis officier sur un bâtiment militaire. Alors en avant. Allons leur faire bouffer leurs tripes. On éliminera Cerberus. Mais ça n'effacera pas la douleur. Je prends le risque. Quand Cerberus sera détruit, n'oubliez pas que nous les avons trouvés grâce à vous. Merci. Bon. Commandant. Alors. Oui, j'ai rien reçu de nouveau vu que ça clignote pas. Ouais, c'est ce que je me disais. Allons voir les autres. Sûr. Je suis là, pratiquement sûr qu'on va me parler du décès de Miranda. Je m'attendrai qu'il s'en branle. Moi, je me plante. Vous vouliez des infos sur Type 3, une colonie humaine. Hé, hey, Yara. Inutile de s'occuper de ça maintenant. Maintenant ou plus tard, c'est pareil. Je reçois des rapports de gens de type Tri réfugiés dans des colonies galariennes. Je n'ai pas de nom. La plupart étaient... des enfants. Eh bien, Gunny, il arrive, ma sœur. Gunny, c'est son surnom depuis... Elle n'a 15 ans. Alors, si ce sont des enfants, j'ai peut-être juste perdu mon père.
C'est un peu horrible de dire ça. Jeff, pour l'instant, tout espoir est bon à prendre. Merci. Pareil pour vous. Ok. Miranda. Ouais. Mais merde, il va en mourir encore combien? Tout le monde sur Terre? Mordine. Tali. Et maintenant Miranda. Combien d'amis il nous reste? On va finir par affronter les moissonneurs qu'à deux à ce rythme. Vous êtes le seul à être à mes côtés depuis le début, Jeff. Le seul avec qui j'ai tout traversé. Et il faut bien quelqu'un pour vous tirer des mauvais pas. Accrochez-vous. Vous aussi, commandant. Non, j'ai dit accroche-toi là! T'es là, on se prend un immeuble! Bonjour, Shepard. Si vous avez un peu de temps, j'aimerais avoir vos lumières sur un comportement humain. Non, c'est la branlette! Amusez-vous! Je t'écoute. Non. La résistance terrienne a réussi à faire entrer des caméras dans un camp de concentration. Je trouve les images difficiles à comprendre. J'imagine que c'est plutôt macabre. Macabre, oui, mais aussi surprenant. Logiquement, les prisonniers auraient dû adapter leur comportement à la situation. Libérés du carcan des contraintes sociales et menacés de mort, leur seule priorité devrait être la survie. Ils auraient dû se retourner les uns contre les autres, se montrer égoïstes. Mais ce n'est pas le cas. Tu veux dire que tous les prisonniers sont solidaires? Les moissonneurs repoussent l'exécution des prisonniers qui dénoncent les tentatives d'évasion des autres détenus. Plus un prisonnier collabore, plus son expérience de vie augmente. Mais justement, ces dénonciations sont rares. Certains vont même jusqu'à mentir aux moissonneurs, au risque de perdre la vie, pour protéger de parfaits inconnus. Tout le monde ne résiste pas avec des bombes et des armes. Surtout ceux qui n'en possèdent pas. Sans doute, mais le nombre de résistants est vraiment très élevé. 9 prisonniers sur 10 refusent de collaborer. Le processus d'endoctrinement aurait dû éliminer tout esprit de rébellion. Les prisonniers ont peut-être appris à résister à l'endoctrinement. Je vois. Je vais modifier le code de mon instinct de préservation. Pourquoi? Parce que les moissonneurs me révulsent. Seule leur propre survie les intéresse. Je ne suis pas comme eux. Quand je pense à Jeff, je vois la personne qui a mis sa vie en danger pour me libérer d'un état de servitude. Pour lui, je suis prête à risquer la non-fonctionnalité. Ma programmation doit refléter cela. Tu commences à comprendre ce qu'est l'humanité, Idea. T'es prête à la défendre? Jusqu'à la mort. Bienvenue dans l'équipe, Idea. C'était déjà pas le cas! Alors quoi de neuf? J'ai raté quelque chose? Je vous expliquerai plus tard, Jeff. Mais c'est une bonne nouvelle. Commandant? Ouais, l'heure disponible. Je voudrais un moment d'intimité, Shepard. J'examine la littérature humaine. Ok. Faites pas d'enfants! Quoi? Entraîneur. T'es très peu bavarde. Oui. Mais c'est joyeux, on a perdu Miranda! Mordine, Tali, Miranda! Oh, bitch, please. Moi, je dis, on s'en sort bien. Ah, nous, on est doués, là. Bon. Alors, au moins, on a réussi à faire en sorte que l'autre, là, survive. Bon, il est où, il est sur son transat? Il est où? Ah, c'est là qu'il est dans l'autre. Non, il est censé être là. Enan. Ah, je t'avais pas vu, il s'était caché. Vous ressentez la même chose, Shepard. Cette excitation. Dans le slip. Le peuple ferait mieux de dire ses prières ce soir. Parce qu'on vient de chercher cet enfoiré d'assassin. Oh oui. La chance a tourné. Je le sens. Où ça? Le sanctuaire.
L'homme trouble est foyer. Mais laissez-le-moi. Dans des cas pareils, ça ne me gêne pas de tuer un malade mental. Ok, bon salut Kaidan. Il a l'air de bonne humeur. Moi, je sens que la bataille, ça donnera. À votre service. J'aurais aimé qu'on puisse sauver Miranda, Shepard. Elle travaillait peut-être pour Cerberus, mais elle a fait le bon choix. Qu'elle repose en paix. Je suis désolée pour Tali, Shepard. Et pour Morin ? Les Gaët ont tenu parole. Leur bâtiment ont rejoint la flotte de Hackett. Ravi de vous voir. Moi aussi. T'as rien de nouveau ? Ici, y a rien de nouveau ? Non. Bon, on va aller voir l'infirmerie, les améliorations, les trucs bidules chouettes. Qu'on en a une tonne, puis on va voir Garrus, et puis on va Garrus, ouais, voir, ouais. Bon. Carnage. Explosion butale, réduit l'ennemi en bruit, les ennemis en tout. Vas-y. Pouvoir bonus. À moins que l'heure, cela leur distrait les ennemis. Barrière, renforcer de la neige. Ouais, je peux faire ça. Ouais, bon, j'ai rien compris. Bon, salut toi. Je ne fais que vérifier les tableaux. Et toi, tu t'en fous de tous les morts, hein ? Je ne fais que vérifier les tableaux. Oui ! Ah bah, de toute façon, c'était tous des cons, hein ! Parlez de merde, ça nous fera des bouches en moins à nourrir, hein ! J'ai pas que ça à dépenser en soins ! Putain, sur The Island, ça fait un carnage, hein ! Ou sur Koh-Lanta. Alors l'homme trouble croit vraiment qu'il peut contrôler les moissonneurs. Les zombies, c'est une chose, mais toute une flotte, il est cinglé. Beaucoup de Turiens sont allés au sanctuaire. Quand je verrai l'homme trouble, je graverai leur nom sur son crâne. Pas pour l'instant. J'adore le... J'irai graver un truc sur leur crâne. Enfin, pas pour l'instant. Hein ? Permet d'abattre les... Ah oui, je suis con. On augmente les dégâts contre la santé et les blindages. Ouais, faut que je refasse les trucs. Ouais, je suis con, ça m'avait enlevé le truc. Ouais. Ah ça j'enlèverai jamais, hein, munition perforante, hein. Faut pas déconner. Hein. Bon, ça des machines. On a très peu de trucs à faire et on se quitte, mais les petits. Hein. Je me transforme en mafieux. Y'a un problème. Oui, je mets mes couilles. Je sais pas. Flash info. Les marines de l'Alliance viennent de découvrir le pire crime de guerre perpétré par Cerberus. Le sanctuaire, le soi-disant havre de paix d'Horizon dont on a tous vu la publicité, serait en fait un laboratoire secret de Cerberus. Lavage de cerveau, expérience mortelle, échange avec les moissonneurs. Restez avec nous pour en connaître les détails. J'adore avec la personne qui passe autour là. Commandant. Oui, aussi. Bonjour. Bonjour. Rien à signaler, commandant. Au revoir. Alors, au revoir. Alors, au revoir. Moi et les autres cons, va. Il n'y a personne qui veut me voir aujourd'hui. Hein. Ah là 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 là. Ah là là.
Quelle joyeuse journée! Bon, il y a Concon là-bas. Concon! J'ai des nouvelles de Mademoiselle Sato. Elle est arrivée saine et sauve au centre de recherche. Cool. De science. On dit qu'Esteban a pu jouer au chevalier qui sauve une demoiselle en détresse. Et nous savons à quel point j'aime les demoiselles, Monsieur Vega. Ouais, nous le savons. Chef? Ouais, une bonne nouvelle, hein. Si tu m'avais dit qu'elle s'était crachée en milieu de chemin, je t'aurais pété la gueule. J'ai du mal à croire que l'homme trouble ait trouvé le moyen de contrôler les moissonneurs. Il est complètement barjo, mais quand même. Imaginez s'il était de notre côté. J'imagine que c'est ce que veulent les moissonneurs. Nous dresser les uns contre les autres, diviser pour mieux régner. Exactement. Une raison de plus de les haïr. Sinon, il y a juste deux personnes qui ont pensé à Miranda, les autres c'est... Ah, c'était qui? Je suis prêt à revoir la Terre, Shepard. Pas moi. Le truc à la con, hein, pas moi. Bon, on va améliorer le lot. On va améliorer le trou duc, là. Ben ouais. Bon, y a rien d'autre à améliorer, je pense. On va voir. Pam! Mela Anderson. Bon! Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour nos aventures. On va s'arrêter dans mes quartiers. Voilà! J'espère que cette vidéo vous a plu. Prochainement pour d'autres aventures, peut-être du Rune Factory Frontier, j'ai pas encore décidé. Voilà. En attendant, faites pas les fifous et si vous voyez un homme trouble, réglez le calibrage de votre télévision jusqu'à qu'il soit net.